C'est Luc Lang, prix Médicis de l'année dernière, qui est un romancier et qui a écrit Délit de fiction, alors que Marc Petit, c'est Éloge de la fiction. Mais Délit de fiction, c'est évidemment pour défendre la fiction contre tout ce qui est témoignage et réalité, témoignage comme facteur de réalité. Ensuite, c'est le 18 avril, Bernard Rigault, qui est déjà intervenu ici comme philosophe, en particulier à partir de Henri Maldinet et de Giorgio Agamben, sur la parole poétique et la fiction. Ensuite, Bernard Chouvier, qui est un professeur de psychopathologie clinique et psychanalyse, sur le pouvoir des contes, contes imaginaires et magie. Et puis, évidemment, au mois de juin, le 20, et ça c'est toute la journée, c'est des arts thérapeutes, parce que l'art thérapeute est une fiction, oui, une fiction anticipatrice, et qui vont toute la journée animer avec des performances, des ateliers, des relations de cas. Voilà, donc, rêvons d'un monde où il y a des enfants, où il y a des colombes, et où on est là, en train de rêver l'avenir et notre avenir. Voilà, on va rester là sur ces belles paroles et un magnifique programme. Merci beaucoup, Jean-Pierre Klein.